pas content, pas content, pas content. Ah! Pourquoi, cher Français, vous n'êtes pas content? Expliquez-moi, je n'attends que ça. On n'est pas content parce que y a ça qui augmente, y a ça qui fait, y a ça, y a ça, y a ça, 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 ça. On n'arrive même plus à manger correctement, on n'arrive plus à acheter des... Monsieur le Président, vous m'écoutez? Allô? Monsieur le Président! Ah oui, 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 non mais je vous écoute, je vous écoute, je vous entends, je... Édouard Philippe, tu peux venir? Et ramène ton frère Castaner aussi, hein? Ouais. Ah, moi je suis fatiguée là, j'ai 35 jours de repos, je suis blasée. Et pourquoi les Français sont pas contents? Moi, monsieur le Président, moi, monsieur le roi de France. Je comprends pas pourquoi mes métayers ne sont pas contents ou heureux. Je comprends pas. Je fais tout pourtant pour eux, je comprends pas, je me bats pour eux, pour leur pouvoir d'achat, pour avoir une vie meilleure. Et là, je comprends pas, un matin, je me suis levée, une armée de poussins est venue m'accueillir devant les Élysées. Je comprends pas, hein, que c'est toutes ces petites armées de... Bizarrement, les moutons se sont transformés en pouf, en poussins, je comprends pas. Pourtant, j'avais bien dit à ma maman, à ma femme, pardon, assez de boulettes. Faire trop. J'avais dit à Brigitte hein, que j'allais me tenir tranquille, que j'allais moins faire de boulettes hein, là-dessus, bah, pour m'occuper, hein, je me suis lancée dans la décoration de vaisselle. J'ai fait des jolies assiettes avec marqué Élysée Paris dessus. C'est magnifique. Ah oui, c'est standard, hein, c'est standing. Hein, c'est... Aussi, hein, pour rendre service hein, aux Français. Ou... Peut-être parce que bah, je me faisais chier, hein, tout simplement. Hein. J'ai viré le grand général qui était maître des armées. Parce que je me faisais chier, en fait. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop. Hein. Vous savez, quand on est jeune comme moi, à passer notre vie à compter des billets à Rothschild, c'est vrai que... On se fait chier. Donc, faut bien s'occuper, hein. Voilà, virer les gens pour un rien, gueuler sur des Français, les traiter d'illettrés. C'est vrai que ça occupe et on se marre aussi. Ah ouais. Au Sénat, on s'est fait une bouffe avec des copains. Ma parole, la salle en a pris plein le cul quand il a mis son gilet jaune. Oh là là, la tête de Castanou. Ah, Castanou. Ah, t'es éclaté au Sénat. Ah, ouais. C'était grandiose. Quand on est président de la République, hein, on s'est fait déjà... Bon, là, j'ai dans mon bunker, hein, parce que bon, c'est vrai que j'étais serré la main de Madame Merkel. C'est vrai que Madame Merkel est très, très, beaucoup plus importante que mon peuple français. Hein. Moi, roi de France, je ne m'occupe pas de mon peuple. Ah là 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 là. Les Français sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Voilà. Bizarrement, j'ai un peu sous-estimé les Français, hein, parce que cette équipe de poussins aux gilets jaunes... Même pas peur. Vous croyez que c'est en enlevant trois cailloux de la place des Champs-Élysées que vous allez me faire peur? Non, sans blague, j'ai envoyé deux, trois petits morpions dans les casseurs, voilà, comme ça c'est eux les casseurs, hein. C'est ma milice à moi hein, qui a cassé et tout, comme ça. Les gilets jaunes vont porter le chapeau. C'est magnifique, voilà, on s'amuse comme on peut quand on est président, hein. On fait de la merde, on essaie de faire des problèmes hein, quand il n'y en a pas. En plus, bon, j'ai récupéré le mandat d'un vieux à lunettes, une espèce de loukoum à lunettes, là. Flamby, c'est ça, hein, comment vous l'appelez? Allez, gueux, c'est comme ça que vous l'appelez, hein? Ouais, François. Oui, je suis le président des très riches, oui, ça je sais. Rothschild! En tout cas, sur ces mots, vive la France! Vive la République!